Avant de débuter, je vous rappelle que je vous ai préparé des séances totalement gratuites et extrêmement puissantes sur le Feng Shui et l'abondance, pour retrouver sa paix intérieure face à un défi important, ou pour maigrir. Il vous suffit de cliquer sur le lien que je mettrai en description. Bienvenue dans cette nouvelle séance afin d'exploiter le pouvoir de votre subconscient au service de la manifestation de vos désirs tout en vous endormant. Tout d'abord, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Laissez tout votre corps se poser. Voyez vos jambes et vos bras se relaxer. Relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez vos épaules. Votre corps va continuer à se décontracter. Pendant que je vous parle, nous dormons entre 6 à 8 heures par jour, ce qui signifie que un tiers de notre vie consiste à dormir. La plupart d'entre nous sommes inconscients lors de notre sommeil et donc nous gaspillons ce temps si précieux, quantitativement, mais aussi qualitativement, car notre cerveau émet à ce moment des ondes extraordinaires que l'on peut en réalité exploiter à notre avantage. Tous ceux qui réussissent dans la vie utilisent ce temps de sommeil au service de leur réussite. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie des personnes qui ont compris que le moment idéal pour exploiter votre subconscient et le moment du sommeil. Alors bravo à vous. Je vais donc vous guider aujourd'hui pour que, étape par étape, vous puissiez pleinement exploiter la puissance de votre subconscient dans la direction de vos désirs. Nous allons passer par 4 étapes. La première étape est de définir un désir spécifique. Que voulez-vous manifester dans votre vie? Cela peut paraître évident, mais combien d'entre nous pensons à notre désir en nous endormant. La plupart d'entre nous faisons l'inverse. Nous pensons à nos soucis. Et malheureusement, nous les perpétuons ainsi. Je vous invite donc à changer cela dès aujourd'hui et à demander à l'univers ce que vous souhaitez en concentrant votre pensée tous les soirs sur votre désir. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser un peu de temps
pour bien choisir ce que vous voulez. Choisissez une chose précise et assez spécifique. Votre désir doit être une demande, un peu comme quand vous étiez enfant et que vous demandiez un cadeau pour Noël. Alors, que choisissez-vous? Maintenant que vous avez votre désir, la deuxième étape consiste à vibrer ce que vous voulez. Pour cela, il suffit de visualiser votre désir en train de se réaliser sur un immense écran de cinéma devant vous. Ayez une image très claire de ce que vous voulez. Vous vous voyez dans cet écran de cinéma. Ajoutez à ces images des sons. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Puis, ressentez ce que votre désir vous inspire alors que vous êtes en train de le réaliser sur cet écran, là, devant vous. Je vous laisse un peu de temps pour vous regarder dans cet écran et observer de l'extérieur tous les détails. Observez les émotions que vous avez. Voilà, la troisième étape est d'intensifier la vibration. Pour que cela soit plus efficace, entrez dans l'écran et vivez pleinement votre désir, comme s'il était en train de se réaliser. Maintenant, expérimentez-le à travers vos yeux. Vivez-le en étant associé. Écoutez à travers vos oreilles et ressentez ce que vous ressentez. Votre désir est déjà fait. Investissez ce moment inoubliable. Vibrez-le. Vibrez votre désir signifie le voir, l'entendre et le ressentir à travers vos sens, comme si
vous le viviez maintenant et que votre désir était en train de se réaliser là maintenant. Que voyez-vous à travers vos yeux? Amplifiez les couleurs. Appréciez les détails. Regardez au loin. Puis plus près. Êtes-vous seul ou accompagné? Que se passe-t-il? Qu'entendez-vous? Portez l'oreille au son prédominant. Puis, quels sont les bruits plus subtils autour de vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous touche? Et qu'est-ce que vous touchez? Quelle émotion ressentez-vous alors que votre désir est en train de se manifester? Ressentez ce que vous ressentez alors que vous êtes en train de vivre votre désir. Est-ce qu'il y a des odeurs, des saveurs? Je vais vous laisser encore un peu de temps pour expérimenter votre rêve. La dernière étape est d'envoyer votre désir à l'univers. Imaginez mettre tout cela dans une clé USB et envoyer cela dans l'univers. Voilà. Maintenant, soyez certain que votre désir se réalisera. Un peu comme quand vous commandiez une chose sur Internet. Vous l'avez commandée et ça va arriver, même si ce n'est pas encore là. Ou c'est un peu comme quand vous étiez enfant. Vous l'avez demandé au Papa Noël et vous savez qu'il va vous le donner. Et demain, vous penserez à votre désir à nouveau. Un peu comme quand, enfant, votre cadeau était tellement important que vous regardiez le catalogue tous les jours.
soyez attentif aux synchronicités dans les jours à venir et agissez quand l'occasion se présente. Bien sûr, agir et suivre les synchronicités, c'est important. Je le répète, car c'est une clé qui suit votre demande à l'univers. Agissez quand la vie vous présente des synchronicités qui vous rapprochent de votre désir. C'est cela qui permet la manifestation. Pour que la vibration se maintienne, un temps, et surtout qu'elle s'intensifie, le meilleur moyen est de vous relaxer. En étant détendu, c'est comme dire à l'univers « Je te fais confiance ». Vous allez entrer maintenant dans des ondes qui vont activer la vibration quand vous vous endormez. Laissez-vous porter par les suggestions. Elles ont été conçues pour que pendant votre sommeil, vous puissiez reprogrammer vos pensées au service de votre désir. Votre vie pourrait bien passer à un autre niveau de cette manière. Pour cela, reconnectez-vous à votre corps. Oubliez tout pour l'instant. Nous reviendrons sur cela plus tard. Et posez votre focus sur tout votre corps qui se pose et se relaxe automatiquement et progressivement. Vous allez ressentir que tout votre être entre dans une paix profonde. Vous pourriez même commencer à ressentir de la fatigue. Vous savez, cette sorte de fatigue positive lorsqu'on est satisfait de nous. Sentez votre front qui se lisse, tous les petits muscles autour de vos yeux et de vos joues qui se décontractent. Les traits de votre visage se relâchent totalement. Et même chacun de vos neurones peut se libérer. Lâchez prise du monde extérieur et laissez-vous emporter à l'intérieur de votre conscience. Et tandis que vous rentrez de plus en plus en transe hypnotique à l'intérieur de vous, imaginez descendre les marches d'un grand escalier. Vous pouvez abaisser votre menton et écouter, ressentir et voir comme si vous observiez du haut d'un balcon
Vous connaissez le chemin maintenant. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez dans votre centre. Vous intégrerez les suggestions bénéfiques pour votre sommeil et la reprogrammation de votre subconscient vers votre rêve pendant les ondes les plus intéressantes. Beaucoup de personnes qui veulent atteindre l'éveil ou manifester leurs désirs utilisent des techniques d'auto-hypnose ou de méditation avancée. Ces états profonds correspondent à l'émission d'ondes particulières par le cerveau. Or, nous émettons ces ondes naturellement et pendant le sommeil. Cela signifie en effet que lorsque vous dormez, c'est le moment idéal pour émettre des suggestions puissantes à votre subconscient afin de manifester tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous conseille de faire cette séance pendant 66 jours, tous les soirs. Écoutez bien jusqu'à la fin, puisque les suggestions s'intégreront dans la deuxième partie de la vidéo. 10 9 8 Voyez vos pieds fouler chaque marche. Entendez le bruit de vos pas descendre les escaliers et ressentez chaque pas supplémentaire qui vous permet d'entrer en transe hypnotique. Et alors qu'une autre partie de vous continue à descendre les marches de cet escalier, vous pouvez continuer à m'écouter. Chaque mot à partir de maintenant va vous permettre d'entrer de plus en plus en vous-même, plus profondément encore et encore, de plus en plus loin, descendez plus profondément, alors que tout votre corps se détend de plus en plus. Vous savez qu'en descendant, vous allez chercher votre liberté et que vous allez activer votre pouvoir de réaliser tout ce qui est important pour vous. Vous pouvez vous laisser aller. Tout le haut de votre corps se relâche et s'alourdit. Tout le bas de votre corps, lourd et relaxé. Sentez cet équilibre qui se crée de plus en plus. Et plus la séance avance,
plus cela vous plonge dans les profondeurs abyssales d'une sensation de bien-être. Relâchez vos épaules et vos trapèzes. Sentez, voyez la détente dans vos bras, dans vos jambes et tout votre corps, plus lourd encore et qui s'enfonce dans le support sur lequel vous êtes. Installez confortablement, tranquillement, à votre rythme. Observez comment l'endroit dans lequel vous êtes s'est teinté de la couleur la relaxation profonde. À chaque inspire, cet air relaxant entre en vous, alors qu'à l'expire, tout votre corps se relâche encore un peu plus. Voyez tous vos organes prendre la couleur de la relaxation et se détendre. Vos poumons se régénèrent. Votre estomac se relâche. Et tandis que votre cœur ralentit, chaque cellule de votre être entre dans un équilibre profondément calme. Sept, six, 5. Il n'est pas nécessaire de vous focaliser sur quelque chose de précis, comme quand vous n'êtes pas installé de plus en plus en transe hypnotique. Vous savez que vous ne savez pas toujours. Pourquoi, alors que votre inconscient vous fait respirer, sans que vous n'ayez à y penser, vous vous laissez emporter par la somnolence. Endormez-vous. Ressentez la relaxation glissée dans ton dos et envahir ta poitrine ainsi que ton ventre. Et tandis que vertèbre après vertèbre, ton dos se relâche de plus en plus. Regarde comment tes bras se détendent encore un peu plus. Chaque muscle, chaque nerf te porte vers une sorte de bien-être enivrant. Et
et sans t'en rendre compte. La relaxation a envahi tes jambes et s'est échappé dans tes mollets, jusqu'à tes pieds. Et tu peux te demander si tu vas basculer vers l'endormissement du côté droit de ta jambe gauche ou du côté gauche de ton bras droit. Pas facile de savoir. Tout ton corps, lourd, de plus en plus lourd et confortable, ainsi que le support sur lequel tu es. Lourd, très très lourd de fatigue, lourd et relaxé. 4, 3, 2, tu es descendu loin dans ta propre conscience à présent. Tu peux regarder en haut et voir et ressentir à quel point tu descends encore et encore. Peut-être ressens-tu déjà comme des sensations d'énergie tout autour de toi. Tu les connais bien à présent. L'énergie du sommeil agréablement, comme une envie de basculer de l'autre côté pour passer à la somnolence agréable, entendre des mots, ressentir les fréquences de l'énergie tout autour de ton corps et basculer. Décalé de plus en plus loin vers l'inconscient. Au loin, ma voix qui s'éloigne, puis plongée. Tu peux même imaginer être en pleine nature. Imagine, ressentis plus agréablement en toi, dans le demi-sommeil, les senteurs. Tu peux alors être transporté dans un autre paysage réconfortant. Tu sais ce sentiment d'être protégé, comme quand enfin une personne de confiance te réconfortait et te berçait. Observe le paysage alors que la nuit tombe, merveilleuse et enivrante, au bord d'un lac.
les montagnes et ces arbres majestueux qui t'accueillent dans le monde des songes, à moins que ce ne soit un rêve dans un autre rêve. Ou alors ton imagination te transporte vers une plage magnifique de sable blanc. Ressens le sable doux sur ta peau. Glisse dans le bien-être. Des odeurs iodées de l'océan et ses vagues qui vont et viennent en toi et tout autour de toi pour te faire décaler plus loin encore vers le demi-sommeil, puis le sommeil. Bruit des vagues de la mer et le cliquetis qui te berce dans cette bulle d'endormissement, ton corps encore plus agréable, confortable et lourd. Plonge plus profondément et encore plus profondément. Descends plus loin pour trouver ta liberté. Endors-toi. Un. Voilà, tu es dans ton centre. Ici, toutes les suggestions s'intègrent beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément à l'intérieur de tes cellules. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable. Par tes pensées. Regarde tout autour de toi ce que tu vois et le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de réaliser ton désir, alors, cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influent tes comportements de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer sans que tu n'aies à t'en soucier, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves à partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée. Le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permettent de réaliser tes rêves. C'est inexorable.
tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile, comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement. Aie confiance en l'univers. Aie confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même: je suis fière de moi. Je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela. Être, faire et avoir. Parce que je suis confiant, alors je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être. Alors, tu peux te dire: je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destiné et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin
au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi, un seul objectif, me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté. Autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable, vraiment fantastique. Tu mérites une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientées vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une pensée négative ou positive. Il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail est juste de penser à ton désir tous les soirs, de le vibrer. Puis, au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin, apprécie l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes, et ce que tu entends là, maintenant. C'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant. Dans chacune de tes cellules. Demain, investis-le de plus en plus dans la journée. En y pensant. Et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis, fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de focaliser tes pensées
vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie, de plus en plus, tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Regarde tout autour de toi. Ce que tu vois est le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de réaliser ton désir, alors cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influent tes comportements de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer sans que tu n'aies à t'en soucier, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves à partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée. Le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permet de réaliser tes rêves. C'est inexorable. Tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile, comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement. Aie confiance en l'univers. Aie confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es
incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même: je suis fière de moi. Je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela. Être, faire et avoir. Parce que je suis confiant, alors je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être. Alors, tu peux te dire: je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destiné et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi a un seul objectif: me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté. Autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable. Vraiment fantastique. Tu mérites une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientées vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence
entre une pensée négative ou positive. Il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail est juste de penser à ton désir tous les soirs, de le vibrer. Puis, au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin. Apprécie l'instant présent. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes. Et ce que tu entends là, maintenant, c'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant. Dans chacune de tes cellules, demain, investis-le de plus en plus dans la journée. En y pensant et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis. Fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de focaliser tes pensées vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie. De plus en plus, tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Lâche prise, puisque c'est très agréable pour au fur et à mesure somnoler vers l'endormissement, puis le sommeil, tout ton corps de plus en plus relaxé et qui s'endort, à moins que ce ne soit le sommeil, tu sais, qui vient à toi. Parfois, on croit ne pas dormir. Et pourtant, le fait de ne pas savoir si on dort maintenant, le sentiment d'alterner comme des ondes d'oscillation légère vers les sensations d'énergie tranquille et le sommeil profond et de plus en plus profond.
autour de toi. Ton corps s'endort dans ce sommeil régénérateur, de plus en plus relaxé, presque à l'arrêt. Et si tu ne dors pas encore, fais semblant et tu t'endormiras. Et tu peux te dire, j'inspire et je ressens l'air qui entre dans mon corps. J'expire et je ressens l'air qui sort de mon corps et je m'endors. Et à présent, je demande à ton inconscient, pendant que tu dors toute une nuit complète, profondément, pour te régénérer. Je te remercie. À très bientôt. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie des personnes qui ont compris que le moment idéal pour exploiter votre subconscient et le moment du sommeil. Alors bravo à vous. Je vais donc vous guider aujourd'hui pour que, étape par étape, vous puissiez pleinement exploiter la puissance de votre subconscient dans la direction de vos désirs. Nous allons passer par 4 étapes. La première étape est de définir un désir spécifique. Que voulez-vous manifester dans votre vie? Cela peut paraître évident, mais combien d'entre nous pensons à notre désir en nous endormant? La plupart d'entre nous faisons l'inverse. Nous pensons à nos soucis et malheureusement, nous les perpétuons ainsi. Je vous invite donc à changer cela dès aujourd'hui et à demander à l'univers ce que vous souhaitez en concentrant votre pensée tous les soirs sur votre désir. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser un peu de temps pour bien choisir ce que vous voulez. Choisissez une chose précise et assez spécifique. Votre désir doit être une demande, un peu comme quand vous étiez enfant et que vous demandiez un cadeau pour Noël. Alors, que choisissez-vous? Maintenant que vous avez votre désir, la deuxième étape consiste à vibrer ce que vous voulez. Pour cela, il suffit de visualiser votre désir en train de se réaliser
sur un immense écran de cinéma devant vous. Ayez une image très claire de ce que vous voulez. Vous vous voyez dans cet écran de cinéma. Ajoutez à ces images des sons. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Puis, ressentez ce que votre désir vous inspire alors que vous êtes en train de le réaliser sur cet écran, là, devant vous. Je vous laisse un peu de temps pour vous regarder dans cet écran et observer de l'extérieur tous les détails. Observez les émotions que vous avez. Voilà, la troisième étape est d'intensifier la vibration. Pour que cela soit plus efficace, entrez dans l'écran et vivez pleinement votre désir, comme s'il était en train de se réaliser. Maintenant, expérimentez-le à travers vos yeux. Vivez-le en étant associé. Écoutez à travers vos oreilles et ressentez ce que vous ressentez. Votre désir est déjà fait. Investissez ce moment inoubliable. Vibrez-le. Vibrer votre désir signifie le voir, l'entendre et le ressentir à travers vos sens, comme si vous le viviez maintenant et que votre désir était en train de se réaliser là maintenant. Que voyez-vous à travers vos yeux? Amplifiez les couleurs. Appréciez les détails. Regardez au loin. Puis plus près. Êtes-vous seul ou accompagné? Que se passe-t-il? Qu'entendez-vous? Portez l'oreille au son prédominant. Puis,
quels sont les bruits plus subtils autour de vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous touche? Et qu'est-ce que vous touchez? Quelle émotion ressentez-vous alors que votre désir est en train de se manifester? Ressentez ce que vous ressentez alors que vous êtes en train de vivre votre désir. Est-ce qu'il y a des odeurs, des saveurs? Je vais vous laisser encore un peu de temps pour expérimenter votre rêve. La dernière étape est d'envoyer votre désir à l'univers. Imaginez mettre tout cela dans une clé USB et envoyer cela dans l'univers. Voilà. Maintenant, soyez certain que votre désir se réalisera. Un peu comme quand vous commandiez une chose sur Internet. Vous l'avez commandée et ça va arriver, même si ce n'est pas encore là. Ou c'est un peu comme quand vous étiez enfant. Vous l'avez demandé au Papa Noël et vous savez qu'il va vous le donner. Et demain, vous penserez à votre désir à nouveau, un peu comme quand, enfant, votre cadeau était tellement important que vous regardiez le catalogue tous les jours. Soyez attentif aux synchronicités dans les jours à venir et agissez quand l'occasion se présente. Bien sûr, agir et suivre les synchronicités, c'est important. Je le répète, car c'est une clé qui suit votre demande à l'univers. Agissez quand la vie vous présente des synchronicités qui vous rapprochent de votre désir. C'est cela qui permet la manifestation. Pour que la vibration se maintienne un temps et surtout qu'elle s'intensifie, le meilleur moyen est de vous relaxer. En étant détendu, c'est comme dire à l'univers : je te fais confiance.
vous allez entrer maintenant dans des ondes qui vont activer la vibration quand vous vous endormez. Laissez-vous porter par les suggestions. Elles ont été conçues pour que pendant votre sommeil, vous puissiez reprogrammer vos pensées au service de votre désir. Votre vie pourrait bien passer à un autre niveau de cette manière. Pour cela, reconnectez-vous à votre corps. Oubliez tout pour l'instant. Nous reviendrons sur cela plus tard. Et posez votre focus sur tout votre corps qui se pose et se relaxe automatiquement. Et progressivement, vous allez ressentir que tout votre être entre dans une paix profonde. Vous pourriez même commencer à ressentir de la fatigue. Vous savez, cette sorte de fatigue positive lorsqu'on est satisfait de nous. Sentez votre front qui se lisse, tous les petits muscles autour de vos yeux et de vos joues qui se décontractent, les traits de votre visage se relâche totalement. Et même chacun de vos neurones peut se libérer. Lâchez prise du monde extérieur et laissez-vous emporter à l'intérieur de votre conscience. Et tandis que vous rentrez de plus en plus en transe hypnotique à l'intérieur de vous, imaginez descendre les marches d'un grand escalier. Vous pouvez abaisser votre menton et écouter, ressentir et voir comme si vous observiez du haut d'un balcon. Vous connaissez le chemin maintenant. Je vais compter de 10 à 1 et à 1, vous serez dans votre sens. Où vous intégrerez les suggestions bénéfiques pour votre sommeil et la reprogrammation de votre subconscient vers votre rêve pendant les ondes les plus intéressantes. Beaucoup de personnes qui veulent atteindre l'éveil ou manifester leurs désirs utilise des techniques d'auto-hypnose ou de méditation avancée. Ces états profonds correspondent à l'émission d'ondes particulières par le cerveau. Or, nous émettons ces ondes naturellement. Et pendant le sommeil, cela signifie en effet que lorsque vous dormez,
c'est le moment idéal pour émettre des suggestions puissantes à votre subconscient afin de manifester tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous conseille de faire cette séance pendant 66 jours, tous les soirs. Écoutez bien jusqu'à la fin, puisque les suggestions s'intégreront dans la deuxième partie de la vidéo. 10 9 8 Voyez vos pieds fouler chaque marche. Entendez le bruit de vos pas descendre les escaliers et ressentez chaque pas supplémentaire qui vous permet d'entrer en transe hypnotique. Et alors qu'une autre partie de vous continue à descendre les marches de cet escalier, vous pouvez continuer à m'écouter. Chaque mot à partir de maintenant va vous permettre d'entrer de plus en plus en vous-même, plus profondément encore et encore, de plus en plus loin. Descendez plus profondément, alors que tout votre corps se détend de plus en plus. Vous savez qu'en descendant, vous allez chercher votre liberté. Et que vous allez activer votre pouvoir de réaliser tout ce qui est important pour vous. Vous pouvez vous laisser aller. Tout le haut de votre corps se relâche et s'alourdit. Tout le bas de votre corps, lourd et relaxé. Sentez cet équilibre qui se crée de plus en plus. Et plus la séance avance, plus cela vous plonge dans les profondeurs abyssale d'une sensation de bien-être. Relâchez vos épaules et vos trapèzes. Sentez, voyez la détente dans vos bras, dans vos jambes, et tout votre corps, plus lourd encore, et qui s'enfonce dans le support sur lequel vous êtes installé, confortablement, tranquillement. À votre rythme. Observez comment l'endroit dans lequel vous êtes
s'est teinté de la couleur de la relaxation profonde. À chaque inspire, cet air relaxant entre en vous, alors qu'à l'expire, tout votre corps se relâche encore un peu plus. Voyez tous vos organes prendre la couleur de la relaxation et se détendre. Vos poumons se régénèrent. Votre estomac se relâche. Et tandis que votre cœur ralentit, chaque cellule de votre être entre dans un équilibre profondément calme. Sept, six, cinq. Il n'est pas nécessaire de vous focaliser sur quelque chose de précis, comme quand vous n'êtes pas installé de plus en plus en transe hypnotique. Vous savez que vous ne savez pas toujours pourquoi, alors que votre inconscient vous fait respirer sans que vous n'ayez à y penser. Vous vous laissez emporter par la somnolence. Endormez-vous. Ressens la relaxation glisser dans ton dos et envahir ta poitrine ainsi que ton ventre. Et tandis que vertèbre après vertèbre, ton dos se relâche de plus en plus, regarde comment tes bras se détendent encore un peu plus. Chaque muscle, chaque nerf te porte vers une sorte de bien-être enivrant. Et sans t'en rendre compte, la relaxation a envahi tes jambes et s'est échappé dans tes mollets jusqu'à tes pieds. Et tu peux te demander si tu vas basculer vers l'endormissement du côté droit de ta jambe gauche ou du côté gauche de ton bras droit. Pas facile de savoir. Tout ton corps, lourd, de plus en plus lourd et confortable. Ainsi que le support sur lequel tu es, lourd, très très lourd de fatigue,
lourd et relaxé. 4. 3. 2. Tu es descendu loin dans ta propre conscience à présent. Tu peux regarder en haut et voir et ressentir à quel point tu descends encore et encore. Peut-être ressens-tu déjà comme des sensations d'énergie tout autour de toi. Tu les connais bien à présent. L'énergie du sommeil agréablement, comme une envie de basculer de l'autre côté pour passer à la somnolence agréable, entendre des mots, ressentir les fréquences de l'énergie tout autour de ton corps. Et basculer, décaler de plus en plus loin vers l'inconscient. Au loin, ma voix qui s'éloigne, puis plonger. Tu peux même imaginer être en pleine nature. Imagine, ressentir plus agréablement en toi, dans le demi-sommeil, les senteurs. Tu peux alors être transporté dans un autre paysage réconfortant. Tu sais ce sentiment d'être protégé, comme quand enfant, une personne de confiance te réconfortait et te berçait. Observe le paysage alors que la nuit tombe, merveilleuse et enivrante, au bord d'un lac, les montagnes et ces arbres majestueux qui t'accueillent dans le monde des songes. À moins que ce ne soit un rêve dans un autre rêve. Ou alors ton imagination te transporte vers une plage magnifique de sable blanc. Ressens le sable doux sur ta peau, glisse dans le bien-être des odeurs iodées de l'océan et ses vagues qui vont et viennent en toi et tout autour de toi. Te faire décaler plus loin encore vers le demi-sommeil,
depuis le sommeil. Bruit des vagues de la mer et le cliquetis qui te berce. Dans cette bulle d'endormissement, ton corps, encore plus agréable, confortable et lourd, plonge plus profondément et encore plus profondément. Descends plus loin pour trouver ta liberté. Endors-toi. 1. Voilà, tu es dans ton centre. Ici, toutes les suggestions s'intègrent beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément à l'intérieur de tes cellules. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Regarde tout autour de toi, ce que tu vois est le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de réaliser ton désir, alors, cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influent tes comportements de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer sans que tu n'aies à t'en soucier, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves à partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée. Le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permet de réaliser tes rêves. C'est inexorable. Tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile, comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement.
ayez confiance en l'univers et confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même, je suis fière de moi, je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela. Être, faire. Et avoir. Parce que je suis confiant, alors je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être, alors tu peux te dire, je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destinée et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites. Et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi a un seul objectif, me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté. Autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable, vraiment fantastique. Tu mérites
une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientées vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une pensée négative ou positive. Il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail est juste de penser à ton désir tous les soirs, de le vibrer. Puis, au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin. Apprécie l'instant présent. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes. Et ce que tu entends là, maintenant, c'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant. Dans chacune de tes cellules, demain, investis-le de plus en plus dans la journée. En y pensant et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis. Fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de focaliser tes pensées vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie. De plus en plus, tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Regarde tout autour de toi. Ce que tu vois est le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de réaliser ton désir,
alors cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influent tes comportements de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer sans que tu n'y aies ton souci, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves à partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée. Le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permet de réaliser tes rêves. C'est inexorable. Tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile, comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement. Aie confiance en l'univers. Aie confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même: je suis fière de moi. Je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela: être, faire et avoir.
parce que je suis confiant. Alors, je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être. Alors, tu peux te dire, je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destiné. Et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir, car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi a un seul objectif. Me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté. Autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable. Vraiment fantastique. Tu mérites une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientées vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une pensée négative ou positive, il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail est juste de penser à ton désir tous les soirs. De le vibrer. Puis, au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin. Apprécie l'instant présent. Le passé n'est plus
le futur n'est pas encore. Et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes. Et ce que tu entends là, maintenant, c'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant, dans chacune de tes cellules. Demain, investis-le de plus en plus dans la journée, en y pensant et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis, fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de te focaliser tes pensées vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie. De plus en plus, tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Lâche prise, puisque c'est très agréable pour au fur et à mesure somnoler vers l'endormissement, puis le sommeil, tout ton corps de plus en plus relaxé et qui s'endort, à moins que ce ne soit le sommeil, tu sais, qui vient à toi. Parfois, on croit ne pas dormir. Et pourtant, le fait de ne pas savoir si on dort maintenant, le sentiment d'alterner comme des ondes d'oscillation légère vers les sensations d'énergie tranquille et le sommeil profond et de plus en plus profond. Tout autour de toi, ton corps s'endort dans ce sommeil régénérateur, de plus en plus relax, presque à l'arrêt. Et si tu ne dors pas encore, fais semblant, et tu t'endormiras. Et tu peux te dire, j'inspire et je ressens l'air qui entre dans mon corps. J'expire et je ressens l'air qui sort de mon corps et je m'endors. Et à présent, je demande à ton inconscient, pendant que tu dors toute une nuit complète, profondément, pour te régénérer. Je te remercie. À très bientôt.
Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie des personnes qui ont compris que le moment idéal pour exploiter votre subconscient est le moment du sommeil. Alors bravo à vous. Je vais donc vous guider aujourd'hui pour que, étape par étape, vous puissiez pleinement exploiter la puissance de votre subconscient dans la direction de vos désirs. Nous allons passer par 4 étapes. La première étape et de définir un désir spécifique. Que voulez-vous manifester dans votre vie? Cela peut paraître évident, mais combien d'entre nous pensons à notre désir en nous endormant? La plupart d'entre nous faisons l'inverse. Nous pensons à nos soucis. Et malheureusement, nous les perpétuons ainsi. Je vous invite donc à changer cela dès aujourd'hui et à demander à l'univers ce que vous souhaitez, en concentrant votre pensée tous les soirs sur votre désir. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser un peu de temps pour bien choisir ce que vous voulez. Choisissez une chose précise et assez spécifique. Votre désir doit être une demande, un peu comme quand vous étiez enfant et que vous demandiez un cadeau pour Noël. Alors, que choisissez-vous? Maintenant que vous avez votre désir, la deuxième étape consiste à vibrer ce que vous voulez. Pour cela, il suffit de visualiser votre désir en train de se réaliser sur un immense écran de cinéma devant vous. Ayez une image très claire de ce que vous voulez. Vous vous voyez dans cet écran de cinéma. Ajoutez à ces images des sons. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Puis, ressentez ce que votre désir vous inspire alors que vous êtes en train de le réaliser sur cet écran, là, devant vous. Je vous laisse un peu de temps pour vous regarder dans cet écran et observer de l'extérieur tous les détails. Observez les émotions que vous avez.
Voilà. La troisième étape est d'intensifier la vibration. Pour que cela soit plus efficace, entrez dans l'écran et vivez pleinement votre désir, comme s'il était en train de se réaliser maintenant. Expérimentez-le à travers vos yeux. Vivez-le en étant associé. Écoutez à travers vos oreilles et ressentez ce que vous ressentez. Votre désir est déjà fait. Investissez ce moment inoubliable. Vibrez-le. Vibrer votre désir signifie le voir, l'entendre et le ressentir à travers vos sens, comme si vous le viviez maintenant et que votre désir était en train de se réaliser là maintenant. Que voyez-vous à travers vos yeux? Amplifiez les couleurs. Appréciez les détails. Regardez au loin. Puis plus près. Êtes-vous seul ou accompagné? Que se passe-t-il? Qu'entendez-vous? Portez l'oreille au son prédominant. Puis, quels sont les bruits plus subtils autour de vous? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous touche? Et qu'est-ce que vous touchez? Quelle émotion ressentez-vous alors que votre désir est en train de se manifester? Ressentez ce que vous ressentez alors que vous êtes en train de vivre votre désir. Est-ce qu'il y a des odeurs, des saveurs? Je vais vous laisser encore un peu de temps pour expérimenter votre rêve.
dernière étape est d'envoyer votre désir à l'univers. Imaginez mettre tout cela dans une clé USB et envoyer cela dans l'univers. Voilà. Maintenant, soyez certain que votre désir se réalisera. Un peu comme quand vous commandiez une chose sur Internet. Vous l'avez commandée et ça va arriver, même si ce n'est pas encore là. Ou c'est un peu comme quand vous étiez enfant. Vous l'avez demandé au Papa Noël. Et vous savez qu'il va vous le donner. Et demain, vous penserez à votre désir à nouveau. Un peu comme quand, enfant, votre cadeau était tellement important que vous regardiez le catalogue tous les jours. Soyez attentif aux synchronicités dans les jours à venir et agissez quand l'occasion se présente. Bien sûr, agir et suivre les synchronicités, c'est important. Je le répète, car c'est une clé qui suit votre demande à l'univers. Agissez quand la vie vous présente des synchronicités qui vous rapprochent de votre désir. C'est cela qui permet la manifestation. Pour que la vibration se maintienne un temps et surtout qu'elle s'intensifie, le meilleur moyen est de vous relaxer. En étant détendu, c'est comme dire à l'univers « Je te fais confiance ». Vous allez entrer maintenant dans des ondes qui vont activer la vibration. Quand vous vous endormez, laissez-vous porter par les suggestions. Elles ont été conçues pour que pendant votre sommeil, vous puissiez reprogrammer vos pensées au service de votre désir. Votre vie pourrait bien passer à un autre niveau, de cette manière. Pour cela, reconnectez-vous à votre corps. Oubliez tout pour l'instant. Nous reviendrons sur cela plus tard. Et posez votre focus sur tout votre corps qui se pose et se relaxe automatiquement et progressivement. Vous allez ressentir que tout votre être entre dans une paix profonde. Vous pourriez même commencer à ressentir de la fatigue. Vous savez, cette sorte de fatigue positive lorsqu'on est satisfait de nous. Sentez votre front qui se lisse,
tous les petits muscles autour de vos yeux et de vos joues qui se décontractent. Les traits de votre visage se relâchent totalement. Et même chacun de vos neurones peut se libérer. Lâchez prise du monde extérieur et laissez-vous emporter à l'intérieur de votre conscience. Et tandis que vous rentrez de plus en plus en transe hypnotique à l'intérieur de vous, imaginez descendre les marches d'un grand escalier. Vous pouvez abaisser votre menton et écouter, ressentir et voir comme si vous observiez du haut d'un balcon. Vous connaissez le chemin maintenant. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez dans votre centre, où vous intégrerez les suggestions bénéfiques pour votre sommeil et la reprogrammation de votre subconscient vers votre rêve pendant les ondes les plus intéressantes. Beaucoup de personnes qui veulent atteindre l'éveil ou manifester leurs désirs utilisent des techniques d'auto-hypnose ou de méditation avancée. Ces états profonds correspondent à l'émission d'ondes particulières par le cerveau. Or, nous émettons ces ondes naturellement et pendant le sommeil. Cela signifie en effet que lorsque vous dormez, c'est le moment idéal pour émettre des suggestions puissantes à votre subconscient afin de manifester tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous conseille de faire cette séance pendant 66 jours, tous les soirs. Écoutez bien jusqu'à la fin, puisque les suggestions s'intégreront dans la deuxième partie de la vidéo. 10, 9, 8. Voyez vos pieds fouler chaque marche. Entendez le bruit de vos pas descendre les escaliers et ressentez chaque pas supplémentaire qui vous permet d'entrer en transe hypnotique. Et alors qu'une autre partie de vous continue à descendre les marches de cet escalier, vous pouvez continuer à m'écouter. Chaque mot à partir de maintenant va vous permettre d'entrer de plus en plus en vous-même, plus profondément encore et encore,
de plus en plus loin. Descendez plus profondément. Alors que tout votre corps se détend de plus en plus. Vous savez qu'en descendant, vous allez chercher votre liberté et que vous allez activer votre pouvoir de réaliser tout ce qui est important pour vous. Vous pouvez vous laisser aller. Tout le haut de votre corps se relâche et s'alourdit. Tout le bas de votre corps, lourd et relaxé. Sentez cet équilibre qui se crée de plus en plus. Et plus la séance avance, plus cela vous plonge dans les profondeurs abyssales d'une sensation de bien-être. Relâchez vos épaules et vos trapèzes. Sentez, voyez la détente dans vos bras, dans vos jambes et tout votre corps, plus lourd encore et qui s'enfonce dans le support sur lequel vous êtes. Installé confortablement, tranquillement, à votre rythme. Observez comment l'endroit dans lequel vous êtes s'est teinté de la couleur la relaxation profonde. À chaque inspire, cet air relaxant entre en vous, alors qu'à l'expire, tout votre corps se relâche encore un peu plus. Voyez tous vos organes prendre la couleur de la relaxation et se détendre. Vos poumons se régénèrent. Votre estomac se relâche. Et tandis que votre cœur ralentit, chaque cellule de votre être entre dans un équilibre profondément calme. Sept, six, 5. Il n'est pas nécessaire de vous focaliser sur quelque chose de précis, comme quand vous n'êtes pas installé de plus en plus en transe hypnotique. Vous savez que vous ne savez pas toujours
pourquoi, alors que votre inconscient vous fait respirer, sans que vous n'ayez à y penser, vous vous laissez emporter par la somnolence. Endormez-vous. Ressens la relaxation glisser dans ton dos et envahir ta poitrine ainsi que ton ventre. Et tandis que vertèbre après vertèbre, ton dos se relâche de plus en plus, regarde comment tes bras se détendent encore un peu plus. Chaque muscle, chaque nerf te porte vers une sorte de bien-être enivrant. Et sans t'en rendre compte, la relaxation a envahi tes jambes et s'est échappée dans tes mollets jusqu'à tes pieds. Et tu peux te demander si tu vas basculer vers l'endormissement du côté droit de ta jambe gauche ou du côté gauche de ton bras droit. Pas facile de savoir. Tout ton corps, lourd, de plus en plus lourd, et confortable, ainsi que le support sur lequel tu es, lourd, très très lourd de fatigue, lourd et relaxé. Tu es descendu loin dans ta propre conscience à présent. Tu peux regarder en haut et voir et ressentir à quel point tu descends encore et encore. Peut-être ressens-tu déjà comme des sensations d'énergie tout autour de toi. Tu les connais bien à présent. L'énergie du sommeil agréablement, comme une envie de basculer de l'autre côté pour passer à la somnolence agréable, entendre des mots, ressentir les fréquences de l'énergie tout autour de ton corps. Et basculer, décaler de plus en plus loin vers l'inconscient. Au loin,
ma voix qui s'éloigne, puis plonger. Tu peux même imaginer être en pleine nature. Imagine, ressentis plus agréablement en toi, dans le demi-sommeil, les senteurs. Tu peux alors être transporté dans un autre paysage réconfortant. Tu sais ce sentiment d'être protégé, comme quand enfant, une personne de confiance te réconfortait et te berçait. Observe le paysage alors que la nuit tombe, merveilleuse et enivrante, au bord d'un lac. Les montagnes et ces arbres majestueux qui t'accueillent dans le monde des songes, à moins que ce ne soit un rêve dans un autre rêve. Ou alors ton imagination te transporte vers une plage magnifique de sable blanc. Ressens le sable doux sur ta peau. Glisse dans le bien-être des odeurs iodées de l'océan. Et ces vagues qui vont et viennent en toi et tout autour de toi pour te faire décaler plus loin encore vers le demi-sommeil, puis le sommeil. Bruit des vagues de la mer et le cliquetis qui te berce dans cette bulle d'endormissement. Ton corps encore plus agréable, confortable et lourd. Plus profondément et encore plus profondément. Descends plus loin pour trouver ta liberté. Endors-toi. 1. Voilà, tu es dans ton centre. Ici, toutes les suggestions s'intègrent beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément à l'intérieur de tes cellules. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Regarde tout autour de toi ce que tu vois et le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de
réaliser ton désir, alors cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influent tes comportements de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer sans que tu n'y aies ton souci, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves à partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée. Le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permet de réaliser tes rêves. C'est inexorable. Tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile, comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement. Aie confiance en l'univers et confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même, je suis fière de moi. Je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela. Être
faire et avoir. Parce que je suis confiant, alors je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être. Alors, tu peux te dire, je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destiné. Et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir, car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites. Et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi a un seul objectif, me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté. Autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable, vraiment fantastique. Tu mérites une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientés vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une pensée négative ou positive. Il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail est juste de penser à ton désir tous les soirs, de le vibrer, puis au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin, apprécie
l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes. Et ce que tu entends là, maintenant, c'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant, dans chacune de tes cellules. Demain, investis-le de plus en plus dans la journée, en y pensant et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis, fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de focaliser tes pensées vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie, de plus en plus. Tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Regarde tout autour de toi, ce que tu vois est le reflet de ce que tu penses. Si tu penses en termes de réussite et que tu te vois déjà en train de réaliser ton désir, alors cela devient comme une habitude de pensée. Et ces habitudes de pensée influe tes comportements, de manière à réussir ce que tu entreprends. Tout comme ton subconscient te fait respirer, sans que tu n'aies à t'en soucier, il te mènera par tous les chemins pour que tu réalises tes rêves. À partir du moment où tu crées ces habitudes de réussite, de pensée, le rythme de tes pensées qui tournent en boucle en toi attire alors d'autres pensées similaires qui, au bout d'un certain temps, te permet de réaliser tes rêves. C'est inexorable. Tu es un créateur de réalité. Rappelle-toi qui tu es. La clé est en toi. Il est mieux de te concentrer sur un désir à la fois qui résonnera et vibrera intensément. Et lorsque tu en réaliseras un, tout sera de plus en plus facile,
comme un effet domino, comme une boule de neige, tous tes désirs se réaliseront. En fait, une fois que tu réalises un premier désir, alors ta croyance en ton pouvoir créateur augmente et ainsi tu crées de plus en plus rapidement. Aie confiance en l'univers. Aie confiance en toi. Tu crées ce que tu crois. Porte ton attention à tes croyances qui façonnent ta vie. Pense le plus souvent à ce que tu veux plutôt que l'inverse. À partir de maintenant, décide d'être heureux, de vibrer de plus en plus haut et de manifester la meilleure version de toi-même. Tu es incroyable. Tu es formidable. Tu mérites d'aimer et d'être aimé en retour. Demande et tu obtiendras. Et tu peux te dire à toi-même: je suis fière de moi. Je réussis tous mes rêves qui se réalisent les uns après les autres. Je m'aime tel que je suis. Je suis gratitude, liberté et amour. Je suis mon désir. Je suis, je fais, alors j'obtiens. À partir de maintenant, tu ancres cela. Être, faire et avoir. Parce que je suis confiant, alors je fais les choses avec confiance et j'obtiens ce que je désire. Je suis mon désir. Tout part de ton état d'être. Alors, tu peux te dire: je fais tout naturellement ce pourquoi je suis destiné et j'obtiens inexorablement ce que je suis. Donc, j'obtiens mon désir car je suis mon désir facilement et rapidement. Je me concentre sur mes rêves. Je me détache ainsi de mes pensées parasites et c'est pour cela que l'univers conspire pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment, dans la patience. Tout autour de moi a un seul objectif: me faire évoluer pour me diriger vers mes objectifs et mes désirs les plus profonds. Sois attentif aux synchronicités. C'est la vie qui te parle. Exprime tes désirs en toute liberté.
autorise-toi à penser et à vivre de façon illimitée. Sache ce que tu veux. Adapte-toi aux lois de l'univers et tu obtiendras tout ce que tu veux de la vie. Tu es formidable, vraiment fantastique. Tu mérites une vie harmonieuse dans tous les domaines, de manifester et cela est à ta portée de main. Ton subconscient est composé de pensées positives et négatives. Les pensées positives sont toutes les pensées qui sont orientées vers tes rêves, alors que tes pensées négatives sont celles qui t'éloignent de ce que tu veux. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une pensée négative ou positive. Il accepte tout ce que tu penses et te permet d'obtenir ce à quoi tu penses. Alors, ta partie du travail et juste de penser à ton désir tous les soirs, de le vibrer. Puis, au bout d'un certain temps, tu commenceras à y penser dans la journée. Une fois que tu es attentif aux synchronicités et en moins de temps qu'il n'y paraît, ton rêve sera déjà accompli. Profite de ce chemin, apprécie l'instant présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et la seule réalité objective est ce que tu entends, vois et ressens dans cet instant présent, alors que tu m'écoutes. Et ce que tu entends là, maintenant, c'est ton désir. Grave l'image et le ressenti de ton désir maintenant, dans chacune de tes cellules. Demain, investis-le de plus en plus dans la journée, en y pensant et en observant surtout les synchronicités. Puis, agis, fais un petit pas vers ton rêve tous les jours. Alors, tu décides de focaliser tes pensées vers ton désir jusqu'à ce que tu l'atteignes. Tu es formidable. C'est un bonheur d'être en ta compagnie. Tu es dans une belle énergie, de plus en plus. Tes idées et pensées sont le point de départ de tout accomplissement dans ta vie. Tu es le créateur de ta propre
réalité, mettant en scène ta vie au préalable par tes pensées. Lâche prise, puisque c'est très agréable pour au fur et à mesure somnoler vers l'endormissement, puis le sommeil, tout ton corps de plus en plus relaxé et qui s'endort, à moins que ce ne soit le sommeil, tu sais, qui vienne à toi. Parfois, on croit ne pas dormir, et pourtant, le fait de ne pas savoir si on dort maintenant, le sentiment d'alterner comme des ondes d'oscillation légère vers les sensations d'énergie tranquille, et le sommeil profond est de plus en plus profond tout autour de toi. Ton corps s'endort dans ce sommeil régénérateur, de plus en plus relaxé, presque à l'arrêt. Et si tu ne dors pas encore, fais semblant et tu t'endormiras. Et tu peux te dire, j'inspire et je ressens l'air qui entre dans mon corps. J'expire et je ressens l'air qui sort de mon corps. Et je m'endors. Et à présent, je demande à ton inconscient, pendant que tu dors toute une nuit complète, profondément, pour te régénérer, je te remercie. À très bientôt.